planting seed. Even when you will not be around, that seed will grow and will honor God. And because you do that, when you do it, knowing that you are doing it in the name of Jesus, surely generation after you shall surely live. Praise God. Because you do not do it for man. You are doing it because you are a changed person. Because you are a transformed person yourselves. We are intrinsically motivated by the fact that through the crucifixion of Jesus Christ, death is swallowed up. Although we die in this world, the word of God, the Bible tells us that we shall live again. We have these promises given to us that it is not the end. That's just the beginning of a new life. Those are the things that motivate us to desiring to transform other people's life. When you know that somehow it's not because of your money, but someone that you cherish was able to be healed because of the faith that you have in God. These are the promises of God. By His stripes we are healed. We have received forgiveness of sins. Simple because we have put our trust in Jesus Christ. One day with Jesus is better than 1,000. What do you have? What do I have that we have brought into this world? When we go naked. We have come naked. We shall return naked. That is the fact of life. So when we come today, like a day like this, we come to remind ourselves that we are but mere men. That our lives are but nothing. Vanity. The things that we have. Of course, God does not desire the death, even of the wicked. No. For those who do not know the Lord Jesus, it is not the will of God that we should die, but He has come to save even the sinners. And He has come to ask people to repent from their sins. That's the message of the Word of God. It's a message of salvation. It's a message of deliverance. Regardless of if you believe or not, God remains God. God will not bow down to our level, but He is a creator. So we should endeavor to know what does the word of God says to us. We should endeavor to come to acquaint ourselves with the word of God. The Bible says that all have sinned and have fallen short from the glory of God. Everybody, but that by the death of His only begotten Son, our sin were forgiven. Our sin past, our sins present, and our sins to come. Simple because Jesus Christ paid the price. And we have been reconciled by God through the death of Jesus Christ. So, beloved, there's a difference between knowing God and knowing about God. Many of us here, we have heard about God. Or many of us, we do not have a personal relationship with Jesus. That's why God said it is better to come into the house of mourning. Because into the house of mourning, someone is going to remind you that God exists. That you are not just here because of your own power. Someone has to remind you that.
that you are going up and down is nothing. In 1 second, you can pass away. We can all pass away. So where is your belief? Where is your faith? Do you have your faith in yourselves? Do you think that the things that you have, the things, everything that you have, beautiful car, nice clothes, beautiful wife, handsome husband, all these things shall pass away. But the question is, where will your soul go after you are passed away? Where will your soul go? That's why the Bible says it is good to be in this kind of house, because it makes you to reflect, to think. It makes you to reflect. Can you challenge God? Can you? Yes, you can ask questions to God, but you cannot challenge God. Who are you to challenge God? You can ask questions. Why do you want me to do, God? Speak to me. I'm listening. I cannot see clearly. Tell me what to do. Yes, that's how you do. But you do not challenge God. Who is God? Only the fool says that God does not exist, says the word of God. Only the fools says that God does not exist. So if you are here, and maybe you haven't yet given your life to Jesus Christ, the Bible says that there's no way apart from Christ. There's no other way. No one else has come from God and has died to give you eternal life. There's no one. There's no book. There's nothing that exists that has been published that is said that someone has come from God. He has died on the cross. He has bore your sin and my sin on him. And by doing that, by you and I believing in him, we have eternal life. There's no book. There's no other book. There's nothing that exists that tells you that your sins have been forgiven. No. Every other ways are teaching us or are telling us to strive, to fight, to inherit eternal life. No. But the word of God, the scriptures, just ask us to believe. And when you believe, it is not by your own power, but it's by the Spirit of God. I've come to tell you, for us to celebrate your life when you have gone, it will be based on the reputation that you will leave, on the legacy that you will leave behind. We cannot celebrate your life if you've been wicked. We do not celebrate the life of the wicked one only if you have impacted somebody else's lives meaningfully. And you do it when you have been guided by the Spirit of God. That's what I say. You can know about God and you can know God. You can be intimate with God only when you surrender, only when you call Jesus Christ as your personal Lord and Savior. He gives you the Holy Spirit. It is not by my power that I say what I said, or many of you, you believe in God. It's because the Spirit of God is helping us to live a kind of life that is pleasing to God. In us, there's nothing good in us. In us, there's nothing good. But when you surrender your life, when you call upon God and you repent from your ways, God gives you the power to become a child of God. He gives you the power to become a son of God. It's by God's mercy.
Hence, that's why we are celebrating her life. We are here because there's so many people that are here. So many have left what they were doing just to come here. You have come here. Maybe you think that is because you are part of this group, of that group. But no. If that group was not important, if that group was not interconnected by somebody, you wouldn't have been here. You wouldn't have been here. If she was not someone who has touched the lives of other people, you wouldn't have been here. We are here because God is here. We are here because God wants you to be here. God wants you to give your life to Him. He wants to save us. He's ever wanting to save us. That's what God does. He has come for the sinners. If you are perfect, you don't need to be here. God has come for those who cannot save themselves. So, beloved, I'm just going to invite some of you. If you are here and maybe you have never done the decision or taken the decision to follow Jesus, or maybe you have heard so many messages and you've been resisting, or maybe you are backslided. Today is the day of salvation, not tomorrow. As what we read, God, that's why we are here. And when you have passed, how do you want you to be remembered? Are people are going to gather like this to celebrate your legacy? Are you ready to meet your God? That's why we are here. We are not here to expose or for an exposition or for something. No. If that's what you thought, you are here because God wants you to be here. He wants you to listen to this word. He wants you to make peace with Him. He wants you to repent. He wants you to ask for forgiveness. He wants you to say, God speaks to me, forgives my sin. I return back to you. Help me, help my family so that I will be pleasing to you. That's why you are here. That's why we are here. You are here to reconnect with your Creator. You are here to ask for the wisdom of God to empower you so that you will be also a blessing to other people. You are here because you want God to touch your life so that you can transform other people's life. That's why you are here. So if you are here and you want to give your life to God and you want God to use you as a Joseph in your family, you want God to change the destiny of your family. Some people, you have different tribulation. You have different problems. And sometimes the only barrier is simple because you are shutting the doors to God. You do not allow God to enter your heart. You are resisting God. You are rejecting God. Sometimes it's just to say, God, break me. God, I allow you. Come and take control of my life. Sometimes that daughter of yours, that boy of yours, that husband, that wife that you think they are stubborn, sometimes it's not them, it's you. God wants to change your heart. Sometimes it's your heart God wants to touch. You are wondering why things are not working. Why? But sometimes it's just a simple thing. Repentance is better than sacrifice. Repentance. Repentance. Love covers a multitude of sins. God wants to cover your sins. God wants to give you a better life. God wants to change your proper situations. God wants to use someone
God is using this platform to speak to you that stop resisting. Stop resisting. I'm talking to you. Come back to me. Open up your heart and you will see I will do marvelous things in your life. That's what God does in these kind of places. Praise the Lord. I'm going to pray for those who wants to come back to God. Just close your eyes wherever you are. I'm going to lead you into a simple prayer. And if you want to say this prayer and commit your life to God, and trust me, when you do it sincerely, God is going to meet you. God is going to visit you. Close your eyes and just say, Lord Jesus, I come to you. I repent from my sins. I know you are the Son of God, that you came and died for my sin. I have been far from you, Lord, and I pray for your mercy. I pray for your visitation. I pray for your deliverance. I pray for your grace. Empower me so that I will live a pleasing life unto you. Help me in my unbeliefs. Help my family. Change my lives. Transform my lives so that I will be a blessing to many people. In Jesus' name, amen. I pray also that whatsoever will be shared tonight, let it be the food, the drinks, I sanctify all this place with the blood of Jesus. And I bless you and I pray that the glory of God shines upon your life and that you return to your destined homes peacefully. May God bless you. Amen. Des paroles divines, merci pour ces encouragements. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour vous dire, mesdames, messieurs, chers compatissants et empathiques, que nous sommes conscients de tout l'effort que vous avez fait pour être ici ce soir. Nous savons que vous avez fait fi de vos obligations professionnelles pour les uns et même familiales pour les autres pour pouvoir être ici ce soir et aider Solange et sa sœur Florette à pouvoir comme ça altérer les stigmates de douleurs qui sont restées enfouies en elles pendant ces 8 dernières semaines. Mesdames, Messieurs, nous allons rester dans le vif du sujet. Il serait inapproprié pour nous de continuer cette soirée sans faire venir ici les membres de la famille qui devraient témoigner, qui devraient dire quelques mots à l'endroit de la défunte. Et pour ceci, je vais inviter ici une sœur de la famille, une membre, comme on l'appelle. Elle nous vient tout droit de Glasgow. Elle est ma mère parce qu'elle est reine du peuple bangwa, de la chefferie bangwa. S'il te plaît, ma mère. Bonsoir tout le monde. Je prends la parole ici avec le cœur meurtri pour parler de maman Jeannette. Maman Jeannette était une maman que tout le monde aimerait avoir. De par sa douceur et son sourire. Et oui, a parlé avec maman Jeannette au mois de mars, juste après les funérailles de notre grande mère. Quelque temps après, elle a commencé à se sentir très très mal. Mais à chaque fois que je l'avais au téléphone, je la réconfortais, elle me disait que non, ma mère, ça va aller.
Parce que moi, je suis sa mère, évidemment, comme mon fils Sotio venait de dire, elle était Chonton, et puis moi, je suis Ngouti. Et moi, je suis Ngouti. Donc, c'était ma mère. Mais de l'autre côté, elle était aussi ma maman parce qu'elle était Ngoumbitnza et je suis mon Wotat. Comme les femmes ont toujours les Ndop de deux côtés. La dernière fois que j'ai parlé avec maman Jeannette, je dis, maman, il faudra guérir. Elle m'a rassuré que maman, je vais guérir. Je dis, je serai au Cameroun. Elle m'a dit que mon bibou. Et entre-temps, j'avais un événement à Glasgow que j'ai organisé avec ma sœur Solange. Mais malheureusement, ce mercredi fatidique, Solange m'appelle pour me dire que maman n'est plus là. C'était une pilule très, très difficile à avaler. Mais par tous vos supports, ici à Birmingham, on a pu remonter cette épreuve qui est très, très, très difficile. Je tiens à remercier toute la communauté camerounaise de Birmingham pour tout ce support que vous avez apporté à la petite sœur Solange ici présente. Je vous remercie de tout cœur. Et ayez une pensée très, très pieuse pour maman Jeannette. Son sourire, je ne l'oublierai jamais. Grand, grand merci pour tout votre support. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci infiniment, ma mère Pélagie. Nous allons continuer dans la série des allocutions. Je vais faire intervenir ici quelqu'un aussi. Une personne qui est très importante pour la famille. J'appelle ici Wembley. Wembley qui est considéré comme l'alter ego de Solange, résidente à Manchester, qui va devoir dire son témoignage. Un mot, Wembley. Chers frères et sœurs, bonsoir. Ngonde. Je suis vraiment très ému de vous voir si nombreux ce soir. Venir essuyer les larmes de mes sœurs. Je ne serai pas très longue. J'étais la dernière personne à voir maman au pays. Avant le retour de Solange. Je suis allée rendre visite à maman. Elle était un peu souffrante. Mais elle était déjà sortie de l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, elle m'a dit que non maman, ça va déjà mieux. J'ai dit maman, tu es sûre? Elle dit que ça va déjà mieux. Regarde, je prends mes remèdes et ça va vraiment. À ma grande surprise, je me sépare de maman ce jour. Mais je me rappelle, ce jour, elle me dit, j'ai appris que ton papa était mort. Mais c'était le moment que moi-même, je faisais le deuil de ma grand-mère. Nous avons causé, nous avons un peu papoté. Elle me disait qu'elle était très contente de ses enfants, que les Solanges l'ont vraiment honorée, que les Solanges ont pleuré sa maman, que si elle meurt même aujourd'hui, c'est comme si elle dort. Comme si elle dormait. Donc, elle est très contente. On a papoté, maman était bien. Et dans la même semaine, je rentrais. J'arrive en Angleterre après 2 semaines. Solange me dit que maman a encore chuté. Maman était à l'hôpital. Ça n'allait pas. On avait eu espoir que ça devait aller. Mais, comment dis-tu que l'homme propose, Dieu dispose. Donc, le Seigneur a dit que c'était son dernier jour et elle s'est en allée. Donc, c'est très difficile. Très, très difficile pour mes sœurs. Elles étaient bien au pays avec maman, dans la joie et tout. Mais subitement, quand elles arrivent en Europe, maman part comme ça. Donc, c'est très difficile pour elles. Très, très difficile. Je ne serai pas très longue. Que le Seigneur qui a pu faire, c'est que vous soyez ici ce soir, puisse vous ramener dans votre domicile dans les bonnes conditions. Merci. Merci infiniment, Wembley. Il est écrit qu'on ne reconnaît pas la valeur d'un homme par rapport à sa durée sur la terre. Qu'on reconnaît la valeur d'un être humain par rapport aux échos que cette personne laisse dans nos âmes après qu'elle nous a quittés. Je vais donc demander de me rejoindre ici
une des filles de Maman Jia qui prendra le courage de vous dire un mot. J'appelle ici Florette, s'il te plaît. Florette, si tu peux me rejoindre ici pour dire un mot à l'endroit des personnes qui se sont déplacées des quatre coins de la région ce soir pour venir vous sustenter. Bonsoir à tous. Je me rends compte aujourd'hui que effectivement, nous on n'a plus de maman. On a le cœur tellement meurtri. Nous sommes tellement mal. Quand je vois tout ce monde, c'est où je me rends compte que on a perdu une maman. Nous, on vivait avec maman sans savoir qu'un jour ou l'autre, elle pouvait nous quitter. Je croyais que maman était immortelle. Mais aujourd'hui, la réalité me rattrape. C'est très dur de savoir que... C'est très dur quand on se rend compte qu'on n'a plus de maman. Je me rappelle encore de ce jour, ce 21 juin, où j'ai reçu un message étant au travail, où une personne que je ne connaissais pas me souhaitait les condoléances. Je ne savais pas qui c'était. Et sans vous mentir, c'est très dur. Depuis ce jour, j'ai perdu mes repères. J'ai perdu mes repères, nous on ne dort presque pas. Tout ce que je puisse vous dire, c'est merci, merci de venir si nombreux. Essuyez nos larmes, parce que c'est très important. En ce moment très difficile d'être entouré des gens bien, pour nous aider à passer le cap. Donc, je vous prie de passer une très très bonne soirée et que le Tout-Puissant vous ramène à vos domiciles, quoi. Merci. Merci Florette, regagne ta place. Il est très difficile de réaliser que celle qui vous a donné la vie n'existe plus. Il est très dur de porter le fardeau d'orphelin. Aujourd'hui, nous avons face à nous une paire d'orphelines qui traversent des moments très difficiles. C'est pour ça que dans Thème, je vous ai dit ce soir que nous avons une mission régalienne, c'est celle de faire à ce que ces deux jeunes dames puissent altérer ces stigmates de douleur qui est resté en elles pendant ces quelques semaines. Mesdames, Messieurs, ici, nous allons faire fi des afflictions parce que c'est triste de voir les gens pleurer. Nous allons célébrer cette illustre dame qui nous a quittés, cette dame qui portait haut avec grâce, incarnait superbement des qualités telles que la modestie, l'humilité, la jovialité, l'affection. Elle n'avait pas le verbe haut, elle était douce dans la parole, mais chacun de ses mots était impactant. Elle enseignait sans réaliser qu'elle enseignait, parce que chacune de ses paroles était comme des proverbes qui inspiraient les personnes qui l'entouraient. Aujourd'hui, Maman Jeannette a enlevé sa camisole d'humaine pour devenir une étoile dans le ciel qui brille à mille feux comme un ange. Aujourd'hui,
Elle nous regarde de l'endroit où elle est. Je vais vous dire, mesdames, messieurs, chers empathiques et compatissants, qu'elle serait fière de chacun de nous ici ce soir. Parce qu'à regarder vos visages, vous portez fièrement ce qu'elle portait, c'est-à-dire la modestie, l'humilité et beaucoup d'affection. Je ne veux pas que ce soir nous baignions dans la tristesse. C'est d'ailleurs ce que la famille ne souhaite pas. Mais il y a des moments comme ça, des moments inéluctables, où on ne peut pas éviter de succomber à la tristesse. Comme l'a dit Florette, il est dur et très difficile de perdre sa mère. Il est alors même plus difficile encore de réaliser qu'on est orphelin. Parce que nos géniteurs et génitrices sont nos exemples. Ce sont des prototypes de personnes qui vivent pour exister éternellement. Oui, la vie éternelle existe à travers les œuvres que nos parents nous ont laissées. Alors, mesdames, messieurs, je vais donc passer mon microphone à notre DJ. Nous allons mettre un terme à la série des allocutions. Le temps de souffler un peu et nous vous reviendrons plus tard. Merci. Partisans, soyez les bienvenus ici ce soir. Nous, Ngonde, Ngonde, je pense qu'il y a un peu trop de bruit et ça fait que je crie. Je disais donc ceci à l'égard des amis, frères, sympathisants ici présents ce soir. Au nom de Poundé, je vous souhaite la bienvenue. Généralement, on dit qu'on vient lamenter. Mais je préfère dire célébrer. Parce que cette maman qui s'en va, a fait son temps, comme l'a dit le pasteur. Certes, dans nos habitudes, quel que soit l'âge, nous souhaiterions que maman reste là afin de combler notre vue, comme on dit quelque part. Ce soir, nous sommes là pour célébrer la vie de notre maman partie. Parce que cette maman qui est partie n'était pas seulement la maman de Solange, elle était aussi notre mère. Et c'est pour cela que vous nous voyez ici présents ce soir. Solange, Florette, ici ce soir nous comprenons votre peine parce que vu nos âges, beaucoup sont déjà passés par là. Oui, c'est difficile de l'accepter, mais il faut comprendre que dès que l'on est, ce qui l'attend avec certitude, c'est la mort. Alors, on est d'autant plus honoré d'être enterré par sa progéniture que d'enterrer sa progéniture. Hérode disait tout à l'heure qu'il est très difficile d'enterrer une mère. J'ajoute, encore beaucoup plus difficile d'enterrer un enfant. Cela dit, certes, maman est partie, mais vous êtes là. Imaginez l'inverse, ça aurait été très difficile. Quelque part, nous respectons la volonté du Seigneur et nous lui rendons grâce de nous permettre, ici ce soir, nous réunir pour célébrer la vie de maman. Parce que si c'est nous qui partions, j'avoue que maman nous suivrait dans quelques jours.
Cela dit, je ne serai pas très long. Tout ce que je souhaiterais, c'est que le Seigneur, qui nous a permis d'être ici ce soir, qu'il nous donne encore cette chance de chacun retourner à son domicile. Au nom de l'association Poundé, je vous dis encore une fois merci d'être venu. Merci infiniment, Georges. Georges, qui est le président de l'association Poundé de Birmingham. Il est écrit que les lamentations élèvent nos âmes, les guérissent, les transcendent. La lamentation est un atout, quelquefois, parce qu'elle nous permet de réaliser qu'il peut y avoir une fin à la douleur. Et pour surfer dans la sphère des lamentations, je vais appeler ici les tambouriniers de Poundé, Birmingham, les bateliers des tam-tam de bien vouloir me retrouver ici pour pouvoir faire écho de leurs pensées, faire écho de leur esprit et qu'ensemble nous puissions célébrer l'illustre disparu qui est notre mère. Est-ce que tous les tambouriniers de l'association Poundé Birmingham sont prêts? Je vous prie de bien vouloir me rejoindre ici pour votre séquence. C'est à votre tour de nous démontrer votre affection à l'égard de notre défunte mère et bien entendu à l'endroit de Solange et sa sœur qui ce soir sont dans l'affliction. Comme je le disais tantôt, notre devoir est de faire que Solange et Florette fassent fi de cette affliction qui les anime au regard de leur visage. Est-ce que les tambouriniers sont prêts? Êtes-vous prêts? Vous êtes priés donc de venir me rejoindre ici. Un bonsoir tout particulier à toutes les personnes qui nous rejoignent en ce moment. Sachez que nous sommes là ce soir pour soutenir Solange et Florette qui ont succombé au malheur il y a quelques semaines. Alors, j'invite ici, une fois de plus, tous les tambouriniers de l'association Poundé. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, rejoignez-moi ici et je vous passerai mon porte-voix pour mieux et agréablement porter vos voix à l'endroit de toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent ici ce soir. Alors, vous avez besoin de mon porte-voix? Vous avez besoin de mon micro? Non, pas du tout. Ok, je vous laisse dans le piédestal, le temps de démontrer ce que vous avez au bout des doigts. Allô, Sido? Sidonie, la mambo. C'est Mathurin, il met souvent ça. Ngonde, Ngonde. Ngonde, Zunde, Chum Chum de Babunde, ben invité, Bilem Barbisse, la Chunta, donc Bagala Nisani, donc Bilusi. Hello, mama. Hey.
Wobana mama, wobala, wobala mawa, wobala, woboko woban chamanche, avokoba, woboko woban biyanda, avokoba, woboko walo mama, avokoba, wobala vunvaranza, avokesho, wobala vuntamse, avokesho. Wobala vumanga, afukesho. Yevoko banchamche, afukoba. Wovoko bandonja, afukoba. Wovoko balo mama, afukoba. Wochangbaga lao, changbaga mama, changbaga mawa, changbaga swinde. Changbara mama, Samen Changale, nous achem de Mila. Oh, Samen Changale, nous achem de Mila. Oh, Bichangbara lao, oh, Changbara swinde, oh, Chabangbara gonde, oh, swinde bamna, gonde bamna, oh, Bissabila vu, oh, Bissabila vu, oh, Changbara mawa, oh, Changbara mawa. Bam na mama, wo bam na mama, wo bam na mawa, wo bam na manye, wo samen chengale, wo samen chengale, no za chum na mila, wo bamen chengale, no za chum na mila, wo bamen chengale, no chum na mila, po bi changwa la o, changwa la swinde. Changbara mama, wo changbara mawa, wo bemble bamna, wo bamna mama, wo swinde bamna, wo bichangbara lao, wo changbara manye, wo changbara mama, wo changbara swinde, wo samen chengale, za chum namila, wo samen chengale, wo bichangbara lao. O changbara fami, o fami bamna, o fami bamna. Changbara swinde, swinde bamna. Changbara mama, changbara manye, changbara swinde. O same chengale, no za chum namila. O meme chengale, no za chum namila. O same chengale, no za chum namila. Wo swinde bamna, bichangbara lao, bichangbara lao, changbara fami, changbara bunde, changbara mama, swinde bamna, fami bamna, mawa bamna, swinde mama, changbara mama, changbara baba, changbara bunde, wo same chengale. Woman Changale, 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 woman Changbara fami, fami bamna, fami bamna, zinde bamna, ngongonde bamna, zinde bamna. Samen chengale, no za chum na mila. Wobamen chengale, no za chum na mila. Wosamen chengale, no za chum na mila. Wobamen chengale, no za no. Woman Changale, no Satum Namila. The Changbara lao, the Changbara lao. Zinde bamna, Zinde bamna. Fami bamna, Awata bamna. Changbara fami, Changbara Zinde, Changbara bunde. Fami bamna, Fami bamna. Wosamen Changale, no Satum Namila. Wosamen chengale, no za chum na mila. Womamen chengale, no za chum na mila.
Merci une fois de plus de demeurer et de rester des nôtres pour cette nuitée spéciale, une nuitée dédiée à l'illustre génitrice de Solange, Tasso, comme vous aimez bien l'appeler,
et Florette. Et nous allons passer à un des moments les plus importants de cette soirée, c'est-à-dire le temps de Bekété. On dit chez nous que le repas pris dans un deuil, c'est la manifestation de l'amour qui ratifie que la personne qui nous a quittés est là parmi nous, elle est éternelle et vit éternellement dans nos esprits. Avant de passer à table, je vais une fois de plus prier notre messager de Dieu de bien vouloir dire un mot pour ce somptueux repas qui nous attend. We pray for this food. We pray that you will sanctify the food and the hands will cook it. We pray that as we share it, we will share it in love. We pray, my Lord, my God, as you have provided the pocket from which the money has come to prepare this food, you will replenish them. We pray that as this family continue of money, that they will not lack to receive or to be a blessing to other people. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we are blessed with you. Amen. Merci infiniment. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais annoncer solennellement l'ouverture de ce buffet. Ce buffet qui va voir en prélude les membres de l'association Pondé Birmingham se diriger vers ce somptueux buffet, concocté, façonné, manufacturé de main de maître par ces belles dames de cette association illustre. Et je vous prie, mesdames, messieurs, de bien vouloir vous diriger vers le buffet. Et la suite sera, bien entendu, la famille de Solange et Florette, qui vont adjoindre l'association Pondé Birmingham pour ce régal et pour ces agapes. Je prie les membres de l'association Pondé de Birmingham de bien vouloir se diriger vers le buffet. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Nous allons devoir apporter un petit rectificatif. Les membres de l'association Pondé Birmingham ont choisi de se mettre en retrait, le temps d'accorder aux autres qui sont dans la place ce soir de bien vouloir se faire servir autour de cette table. Je souhaiterais que les personnes qui sont par ici, que ces personnes se dirigent vers le buffet, car considérées comme membres de la famille, je vous en prie. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu les membres le nom de la famille, vous êtes priés de vous diriger vers le buffet. Le temps de souhaiter une bonne appétit à toutes les personnes qui sont venues ce soir au suspensé. Solange et Florette, faites un petit tour vers le buffet. Vous serez suivis par toute la suite. Les membres de la famille sont priés de se diriger vers les victuailles. Le temps de vous souhaiter la bonne appétit. Et comme on le dit, le réconfort vient parfois dans le repas, dans des repas comme ceci, pour la simple raison qu'elles sont faites des mains des personnes qui portent en elles beaucoup d'affection et d'amour. Vous êtes priés, mesdames, messieurs, par ici, de bien vouloir rejoindre Florette et Solange autour de la table. Je vous en prie, mesdames, messieurs.
le cœur presse, on abandonne de vous. Louons à Jésus-Christ de Nazareth, le premier patron de Shekinah, le lion de toujours les tables, la table des membres de la famille. Le livre des valets, l'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, je dis, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alléluia, tout le monde debout, élevez les mains et glorifiez le nom de Jésus, tout le monde debout. Balancez les mains et glorifiez le nom de Jésus, tout le monde est debout. Élevez les mains et glorifiez le nom de Jésus, tout le monde est debout. Balancez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Hey! Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Je veux louer, tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux louer, je veux louer.
Thank you.
Edimbe Raka Kukoko. Oh, vous êtes joli, vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Oh, oh vous êtes joli, ah. Vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Oh, vous êtes joli, ah. Oh, vous êtes joli, oh. Oh, vous êtes joli, je ne peux pas te laisser. Oh, joli, ah. Oh, vous êtes joli, ah. Oh, joli, ah. Oh, vous êtes joli, ah. Je ne peux pas vous laisser. Oh, joli, joli, ah. Oh, vous êtes joli, ah. Oh, joli, ah. Oh, vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Bongo, c'est joli, hein. Ah. Vous êtes joli, on ne peut pas vous laisser. Hein. Vous êtes joli, c'est même belle. Moi-même, au nom de Jésus, je suis ah. Joli, hein. Ah. Vous êtes joli, hein. Vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Vous êtes joli, hein. Vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Joli, ah, joli, je ne peux pas vous. Oh, joli, ah, vous êtes. Oh, joli, ah, vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Oh, joli, ah, vous êtes joli. Oh, joli, ah, vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Wango, wango, vous êtes joli. Mais vous êtes joli, l'homme ne peut pas vous laisser. Mais vous êtes joli. Vous êtes joli. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser. Bah, maman jolie, y'a maman jolie, ma wata jolie, bon bon des jolies, chum chum des jolies, l'homme ne peut pas la laisser. Ah, jolie, ah, vous êtes jolie, ah, jolie, ah, vous êtes jolie, je ne peux pas vous laisser. Ah, jolie, jolie, ah, vous êtes jolie, ah, jolie, ah, vous êtes jolie, vous laissez. Bon 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 des jolies, Bobby Bar Salman, Bobby Nyang Salman. Bobby Bar Salman, Bobby Bar Salman, vous êtes joli, Bobby Nyang Lama, Bobby Nyang Lama, Bobby Bar Salman, Bobby Nyang Lama, Bobby Bar Salman, Bobby Nyang Lama, Bobby Bar Salman, Bobby Nyang Lama, vous êtes joli, vous êtes joli, l'homme ne peut pas vous laisser. Vous êtes joli, hein. Go, go, des jolis, je ne peux pas. Ah, joli, hein. Vous êtes joli, ah, joli, hein. Vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Oh, joli, joli, hein. Vous êtes joli, ah, joli, hein. Vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Ben, go, des jolis, hein. Baby, bar, salmon. Baby, nyan, salmon. Baby, nyan, vermin. Baby, bar, vermin. Baby, bar, vermin. Obi lorima, abi lorima, obi lorima, obi lorima, abi bavula, abi lorima. Mais vous êtes joli, binyanga mbemi, binyanga mbemi. Mais vous êtes joli, l'homme ne peut pas vous laisser. Mais vous êtes joli, ngongo ndai joli, ma wata joli, ngongo ndai joli, l'homme ne peut pas. Ah, joli, ah! Vous êtes joli, oh, joli, ah! Vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Oh, joli, joli, ah! Vous êtes joli, oh, joli, ah! Vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Oh, mon gonda! Vous êtes joli, oh, maman! Vous êtes joli. Ma watala! Vous êtes joli, oh, maman! Vous êtes joli. Je vous laisse. Maracassia! Vous êtes joli, oh, maman! Vous êtes joli. Hello. Nyintama, 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 ngungu nde barintama, ngungu nde nyintama, nyintama, nyintama. Wabi sublo, dafta, 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 dafta. Nyintama, 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 mama kari nyintama, ngungu nde nyintama, ngungu nde nyintama.
C'est chaud. Merci, merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon, le rythme est bon. Merci Ngondé. Vous êtes formidable. Maria tojo me tei e do longone te bilatinga lu ayo sebo mono David Gabriel verso yo be batane nye a Jonah Maria, oh non, va ma Maria. Samba de Bobo, oh non, mama Maria, oh non, mama Maria. Oh non, va ma Maria.